Lola Semonin dédicaçait La Madeleine Proust, une vie. C'est une tétralogie, où l'on suit la Madeleine Proust depuis l'âge de 6 ans jusqu'à ce qu'elle soit jeune adulte. En 2022, l'auteur publie le quatrième volume, Libération, aux éditions Les Presses de la Cité. L'histoire se déroule pendant l'occupation allemande au cours de la Seconde Guerre mondiale. Avec Aurore et Samir, paru en 2023 aux éditions du Citron Bleu, Lola Semonin s'adresse plutôt aux jeunes. C'est une forme de conte sur un amour naissant malgré le choc des cultures. La rencontre entre Aurore, fille de médecin qui vit au centre de Besançon, et Samir, un gamin débrouillard et livré à lui-même qui vit aux confins de la ville, dans une cité d'immigrés. Une histoire d'amour dans un monde fait de dures réalités, de différences sociales et d'interdits parentaux.